Je n'ai rien à te donner, rien que tout mon amour. Merci maman, merci. La reine gorilla, monsieur Mouka. Chichili a war ngonye jarabia. Chichili a war mongana te pa. With an ever-growing inmate population, the Yaoundé Central Prison is one of the overpopulated incarceration centers in Central Africa. In this challenging environment, our children, sometimes toddlers, living with their imprisoned mothers, while those on the outside are abandoned to themselves. For almost 10 years, the Yaoundé-based NGO, Relais Enfants Parents du Cameroun, works towards supporting and educating children of inmates too young to be independent yet stigmatized by their relatives. At the head of this NGO is Claire Ndisamba, a passionate woman who gave up a promising career in education to dedicate her life to one of the most marginalized and disadvantaged classes of society, the children of inmates. Avant 2006, j'étais directrice au collège. J'étais la principale de l'Institut Samba secondaire à Yaoundé. Et j'ai rencontré un enfant de détenu qui souffrait, ça m'a parlé, ça m'a interpellée. J'ai décidé de l'accompagner. Et puis, je l'ai accompagné pendant quelques années. Et en 2011, j'ai vu que le besoin était réel. Et qu'il fallait vraiment prendre cette cause. La portée. J'ai donc arrêté de travailler en 2011. Et là, aujourd'hui, je suis dans les prisons. À 100%, je ne fais que ça. Despite her passion and genuine desire to help those in need, especially vulnerable children, her life's choice wasn't always easy and remained misunderstood by her family. Surtout, le choc a été quand j'ai arrêté de travailler. C'est là où personne n'a rien compris et je me suis vraiment séparée de tout le monde. Le temps que les gens reprennent les esprits. Et bon, j'espère qu'un jour, les gens vont vraiment comprendre. Parce que ça fait 3 ans que je chemine seule, ça fait 3 ans que je n'ai pas vu un seul membre de ma famille. Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu mon père, que je n'ai pas vu ma mère, que je n'ai pas vu mes soeurs. Parce que ils sont fâchés. Je prends ce que je fais comme une œuvre divine. Je le dis parce que je le prends comme un sacerdoce. Je n'attends rien. Je n'ai pas de salaire pour pouvoir montrer aux gens qu'il y a une catégorie d'enfants qui mérite qu'on s'y attarde. Tout le monde dit oui, on va accompagner les enfants détenus parce que les articles 9 à 13 le disent, mais on ne bouge pas. Alors, moi, j'ai vu que le besoin était réel. Je n'ai pas hésité. Like every year, Claire and her team collect donations for the major annual event taking place at the main prisons of Yaoundé and Fou. On est en train de faire les paquets pour les enfants qui sont venus nous voir. En fait, chaque fois qu'on les convie pour une petite activité, on leur fait des petits paquets. Et comme nous sommes en plein préparatif de rentrée scolaire, on leur a donc donné des chaussures et des vêtements pour l'année scolaire. The 2014 celebration will gather over 800 children and will allow them to spend time with their parents in prison for several months or years. Au-delà des dons que nous apportons, nous, c'est beaucoup plus l'accompagnement qui nous intéresse. Faire venir tous ces enfants et permettre qu'ils passent la journée avec leurs parents en prison. Le plus important, c'est l'instant qu'il passe avec son parent. C'est l'instant où la maman lui dit, écoute, il faut que tu ailles à l'école. L'école, c'est important pour toi. C'est vrai, je suis en prison, mais je suis là pour un moment. Toi, tu dois aller à l'école. Women who represent 2% of the inmate population of Cameroon are in most cases mothers and wives waiting to be judged. Rejected by their husbands and relatives, some of them have no choice but to live with the children in prison, while others give birth in such conditions. The RepCam supports them in different areas including nutrition, healthcare and education. Je suis détenue à la prison centrale de Yaoundé depuis le 12 décembre 2011.
Je suis ici pour... on m'accuse de faux et usage de faux et escroquerie. Je suis ici et j'ai conçu de cet enfant qui a déjà l'âge de 10 mois. Normalement, un enfant n'a pas le droit de rester en prison. Dans la norme des choses, on voudrait tout simplement que le chef de l'État mette un appui pour que les mamans enceintes, qu'on leur accorde des libertés provisoires ou des libertés sous caution afin qu'elles comparaissent devant le tribunal étant libres. Parce que la femme enceinte ne doit pas rester en prison. Vu l'indélicatesse, il y a déjà le fait qu'il n'y a pas de lit, on dort dans des mandats et tu te retrouves dans un mandat avec un bébé. Ce n'est pas du tout... confort. Nous remercions aussi déjà Marie-Claire qui tout le temps, elle ne cesse de nous apporter sa main forte pour nous soutenir dans notre condition. But supporting disadvantaged children has a price. Since its creation, Claire's organization is self-funded and occasionally benefits of financial and material support from the government and private firms. C'est vraiment difficile au jour le jour parce qu'on ne vit que des cotisations. Non, nous-mêmes on cotise. Quand il y a une activité et on fait du porte-à-porte, on essaye toujours de convaincre l'État, de convaincre les grandes ONG qui ont les moyens. C'est très très dur, mais on est tellement passionnés. On est convaincus que ça va finir par prendre. En fait, je crois que c'est cet espoir-là, c'est la foi qui nous fait tenir. On vit d'espoir, d'espoir, mais avec cet espoir-là, on réalise des choses extraordinaires. Je suis content, les familles sont contentes. Et voilà, on remercie Dieu, on remercie les donateurs.